What's up YouTube? Le 2 février 2019, j'ai posté une vidéo qui s'appelait Être amoureux. C'était la toute première vidéo que j'ai postée sur Pierre et son humour. C'était le début d'une grande aventure. À partir de là, j'ai demandé aux gens de partager ma chaîne, d'en parler un petit peu autour d'eux. C'est exactement ce qu'ils ont fait et en l'espace de 10 mois, on est arrivé à 200 abonnés. Je sais que ça peut paraître très minime comparé à ce qu'on peut trouver sur YouTube, des chaînes à 5 millions, 6 millions, 7 millions. Mais pour une personne comme moi, en l'espace de 10 mois, arriver à 200 abonnés, c'est juste un truc de dingue. Je tenais à vous faire cette vidéo pour vous remercier d'être toujours là depuis 10 mois, pour le fait de me suivre en fait dans mes projets, que ce soit des bons comme des échecs, parce que parfois je tente des choses, ça marche pas forcément, mais vous êtes toujours là derrière moi à m'encourager, à me donner des conseils constructifs, et j'en suis très content, je suis très fier de la communauté que j'ai. Parfois quand je suis dans le collège avec mes potes, des gens me reconnaissent, me disent what's up YouTube et me cassent les couilles H24, mais ça, c'est gentil de votre part, ça me fait plaisir, ça me touche. Il y a des gens qui sont très contents de ce que je fais, il y a des gens qui préfèrent mes vidéos à des vidéos par exemple de Norman, de Cyprien, ce qui n'est en soi pas logique, mais il y a quelque chose qui fait que vous kiffez ma chaîne et que depuis 10 mois vous êtes toujours là à liker, à commenter, à partager, à me donner des conseils, et ça me fait énormément plaisir. Ça me fait beaucoup de bien. Faut savoir que YouTube, ça fait maintenant 4 ans que c'est ma passion, 4 ans déjà que je fais des vidéos sur cette plateforme. J'ai changé plein de fois de nom, de type de vidéo, de thème, d'idées, mais aujourd'hui je sais exactement ce que je veux faire sur Pierre et son humour. Je veux faire rire et je veux faire des sketchs. C'est pas un travail hyper facile parce que faut que les blagues soient adaptées pour tout le monde. Je sais qu'il y a des enfants de 9-10 ans qui me regardent comme des adultes de 35-40 ans. Je sais que les parents de mes potes regardent mes vidéos, donc faut quand même que ce soit adapté pour tout le monde, pour que les enfants comprennent et que les adultes me disent pas « Oh, calme-toi, t'es qu'un ado, tu connais rien à la vie ». C'est compliqué, mais en même temps, c'est un challenge, c'est quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup, sur Pierre et son humour, tenter des nouvelles choses, des nouvelles idées, voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'espère que vous êtes contents de ce qui se passe sur cette chaîne, des nouveautés, des nouveaux sketchs, des nouveaux types d'écriture, des nouvelles façons d'écrire aussi, parce que je m'inspire énormément du Rire Jaune, et en même temps, j'essaie aussi d'associer Alexandre Astier. Donc, c'est des sources d'inspiration qui m'aident et qui réussissent à forger mon univers, qui est Pierre et son humour. C'était pas facile au début parce que on me disait souvent tu plagies, tu fais comme machin et tout. J'osais pas me l'avouer, mais c'était vrai. Je reprenais beaucoup ce que faisaient les autres gens et j'arrivais pas à me trouver ma personnalité. Et aujourd'hui, je connais exactement le type de vidéo de Pierre et son humour. Et je connais mon univers. J'ai mon univers et je ne plagie plus. Je pense que j'ai pas plus à dire à part merci pour ce que vous faites pour moi depuis 10 mois. Et puis, moi, j'essaierai de tous vous faire rire avec mes sketchs. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous aime. Bye. Et on se retrouve très bientôt sur le YouTube Game.